Pour les malveillants, hip hip hip. Je répète, l'école. Calmez-vous. Il y a combien de fours? Silence, ça tourne. En fait, si vous n'êtes pas capable de la fermer, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais t'es une grosse bouffonne. B-O-U-F-F-O-N-E, t'es une bouffonne. Tu m'as fait une faute, t'as pas touché. Sachez que dans cette villette, ça va chauffer. Je vais pas supporter les imbécilités là des autres candidats. 1, 2, 3. Choose your fighter. Je voulais vraiment faire une roue, mais j'ai grave raté. Hello les guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et ouais, ça faisait longtemps, hein. Presque un an, ouais, quel est presque, grave un an que j'avais arrêté YouTube, parce que bon c'était un peu chaud de faire YouTube plus l'école, faites pas attention à ma G de ouf. Comme vous avez pu le voir à l'intitulé de la vidéo, aujourd'hui nous allons en Belgique. Oui bah bon, la Belgique c'est vrai que c'est pas ouf, mais on va au Festival des Ardents. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai bah, les artistes qu'il y a ce week-end. Pour ce petit voyage, nous avons des invités spéciaux. Je pense que je ferai un petit générique. Donc si je fais le générique, je vous balance le générique dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Il est actuellement 8h. 8h. Je dois partir à 8h15, rejoindre Lucille à Sevran. Vous me direz, pourquoi Sevran? Parce qu'on était tellement des rats que le seul Blablacar moins cher, il sortait de Sevran. Alors, disclaimer, hein, peut-être que vous ne savez pas, je n'habite pas à Sevran. Lucille non plus. On est vraiment à 1h30 de Sevran. Sevran des 10h du bar. Génial. Faut pas trop calculer mes lèvres. En fait, j'ai voulu faire du henné sur mes lèvres parce que j'avais la flemme de mettre du crayon tout le temps. Voilà. Et je me retrouve avec des bouts de dents sur les lèvres. Yes, I am. Aller dans cette aventure avec tout ce genre, enfin, tout ce beau monde, moi j'ai un peu peur, je dois vous l'avouer. Enfin, on a grave des personnalités un peu électriques, un peu, voilà, un peu folles, quoi. Les malveillants, ils s'appellent. Donc, déjà, regardez leur prénom. Vous savez déjà que ça annonce pas que du bon. J'ai peur pour ma vie. Mais bon, on croise les doigts. Et comme on dit chez nous, la rue, la vraie, cul la fumée, yaya. Hey! On y va pour la villa! Yes! Là, ça va faire presque une heure que j'attends Lucille. On est marre. Je craque. Les guys, j'ai acheté une tarte au poire. Elle a le goût de poulet. Elle a le goût de poulet. Le Blablacar était à 10h30, les guys. 10h30. Je vous mets l'heure juste en dessous. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Non. J'étais en retard à cause du train. Parce qu'il n'y avait pas de train. Il s'avère qu'on nous a déposé au mauvais endroit. Donc on est là au milieu de littéralement des champs de mines. Et on se retrouve là avec Lucille perdue. Et tant que le monsieur revienne, en plus il a l'air hyper énervé. Ça risque d'être super dans la voiture. Alors en fait, il faut savoir que la meuf du chauffeur, elle s'est trompée d'endroit. On devait aller à Spa. Ils nous ont lâché à Spa. À une heure de Spa, une heure et demie. Ça veut dire qu'on a dû lui demander de revenir. Après, il y avait une ambiance tendue dans la voiture et l'ambiance a été tendue. Les guys, en fait, trop c'est drôle là. Moi, je comptais juste faire un petit vlog. On se retrouve coincé à Liège. L'autre, elle a froid. Moi aussi, j'ai froid. Elle a pas de batterie. Je suis pas maquillée. Regardez nos dégaines. Et là, on va aller au festival direct. Genre, sans se changer. Bref,
Vraiment bref, en fait mon vlog il se passe pas du tout comme prévu là, c'est trop la merde là. C'est trop la merde, en fait c'est un peu trop. On est en train de manger avec lui ici là. On boit du fusti qui a l'air vachement dégueulasse qui plus est. Adieu. Dis tout, hein, comme on est à Sephora. On est à Sephora ici. Là, on vient d'arriver à Liège. On doit attendre 70 000 euros dans un café que Arminio, Rabat, Van, etc. viennent nous chercher. A few moments later. Après des péripéties, je suis littéralement debout depuis 7h du matin. On est enfin dans la On a récupéré. On est arrivé. C'est dégueulasse. Hey, là, je suis trop choquée. C'est pas, je reçois un appel, tout ça. On me dit quoi? On me dit que Sandy et Amen sont coincés en France. J'ai un rapport. Pauvre Sandy. Elle nous a appelé en pleurs parce qu'elle est en France. Alors là, je suis à la boulangerie, les gars. Je suis à bout. On m'avait dit rendez-vous à 13h pour aller en Belgique. Là, il est 18h30 et je suis toujours à la boulangerie. Là, on vient d'arriver aux Ardents. Du coup, on va voir Soso Maness. Là, dans mon Megan Stylen, franchement, c'est la première fois que je la vois. J'ai hâte. On a vu Doja Cat il y a quelques mois. Je me dis, Megan, pas d'accord. Oh my god, on vient de voir Megan Thee Stallion. En vrai de vrai. 3 hours later. On est même pas encore arrivé, il y a déjà des problèmes. La ville, il y a plein de problèmes. Qui va dormir où? On est 15 dans la villa. On n'a pas de lit. C'est la guerre. Dans la villa et il y a 12 lits. Voilà, comment c'est la guerre. En fait, le problème, c'est pas que genre il y ait pas de chambre et tout, c'est que en fait, on a tous payé et que là, c'est en train de se disputer pour les chambres. Ma drame à la villa. Ma miniature les gars. Quand je vous dis qu'il est genre 22h, je suis à bout et t'as Arminio qui me pétait dessus. Bref, j'en parlerai lors du confessionnal parce que là je suis trop énervée. J'ai pas envie de dire des termes. Et pourquoi il rigole celui-là? Bref, hey, ça m'a saoulé, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà la petite baraque. Voilà, on est arrivé à la villa. Je fais un petit house tour. Donc là, il y a les chambres. Attendez. La petite cuisinière. Et en mode billard, en mode baby food. Mais ça cause deux trucs. Ouais, je t'as perdu, t'es mauvaise mais perdante. Mais j'étais même pas au golf, j'étais en train de m'en occuper, toi. Du coup, l'ostentateur, ça a l'air. Quoi? Regarde, ami. Oh non, c'est genre normal, H&M. Après elle parle des autres gens. Mais en fait, pourquoi j'ai parlé de qui moi? Mais la vie de ma mère, on se croyait on serait chez H&M, on serait chez Action quand les gens jettent leur bordel. Non, bordel. Elle a jeté ses culottes. Nos colocataires sont fous. Nos colocataires sont fous. Je répète, les colocataires. Villa et tout, et la première chose que je fais, c'est aller me doucher. Et je vois qu'il n'y a pas d'eau chaude. En fait, les gens ils sont égoïstes. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent après vous, mais vous, vous allez au jacuzzi. Hein? Moi, je dois me laver. J'ai souffert toute la journée. En plus de ça, moi, je rentre et je me lave de l'eau fraîche. On est au goulag ou quoi? On est au goulag. Tu perces comment déjà? Tu peux me dire? Alors, en fait, là, je vous explique. Je dois faire des photos spa parce que j'ai des likes à faire sur Instagram. C'est ça. En montrant ton fiac. Comme ça. Exactement. Exactement. Comment? Tu peux nous montrer l'exemple? Merci beaucoup. Pas comme ça, comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Juste un regard, elle m'a dérouté. J'ai pas parlé, j'ai pas écouté. Du coup, là, on attend que les autres qui reviennent. Comme je vous ai dit, il y a grave des problèmes de chambre et tout, donc j'ai grave peur. Je sais pas ce qui va se passer. Je vous filmerai s'il se passe quelque chose, s'il se passe rien, bah, on se retrouve demain, quoi. J'arrive. Je n'ai pas de chambre. Je dois dormir avec deux grands gaillards au milieu d'eux. Sachez que dans cette villa, ça va chauffer. Je ne vais pas supporter les imbécilités là, des autres candidats. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est juste le début. Oui. Je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste le début, mais après, ça va chauffer. Tomorrow. Hello! On se retrouve pour le jour numéro 2. Nous sommes en compagnie de Tumet Lucille, hein, qui est en train de se préparer. Il est actuellement 15h. On s'est vraiment levé tous à midi 13h. C'est grave la merde. Il n'y a même pas d'eau. C'est la guerre. Il n'y a rien à manger, il n'y a même pas d'eau à la villa. Il n'y a pas d'eau. Et si tu ne laves pas en premier, tu n'as pas d'eau chaude. Et je me suis lavé tout à l'heure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Donc là, je crois qu'il y a un groupe qui va aller au festival et l'autre qui vont faire à manger quand j'ai un coucou. Bref. Voilà. Papa, alors. Toute la team réunie. Hey. Tout le monde devient fou. J'ai dit, moi, tes petites chimagrées, tu fais ça avec qui tu veux, tu fais pas ça avec moi. Mais pourquoi tu me racontes ta vie? Mais toi, pourquoi tu racontes ta vie? Mais pourquoi tu racontes ta vie? Toi, pourquoi tu racontes ta vie? Mais toi, t'es qui? 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 Je vous avais dit que ça allait partir en couille, je vous avais dit ou pas? La Lucie, je peux plus me la voir. Et je peux plus me la voir. Déjà, je me réveille. Je vous jure, elle avait sa tête dans mon cul. Qu'est-ce qu'elle cherche là-bas? Elle cherche quoi dans mon cul? Elle cherche quoi dans mon cul? Ça a quelle odeur en fait? Ça a quelle odeur? Là, Maud, elle ne veut plus vous parler juste parce que j'ai reniflé son fiac. Je vois pas c'est quoi le problème. En fait, quand on dort, on a tous des habitudes. J'ai l'habitude de renifler les fiacs. Je vois pas c'est quoi le problème. Genre, sans mentir, je suis vraiment en train de câbler. Je peux plus être avec elle. Ça commence à devenir chiant, je vous jure. En fait, vous la voyez comme ça et tout, mais c'est grave, elle est problématique et tout. Je peux plus la voir. Mais en fait, tu parles pas avec toi. Je parle pas avec toi en fait. Je parle pas avec toi. Je parle de toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais tu vas faire quoi? Mais tu vas faire quoi? En plus, vous voyez comment elle est folle? Et moi, je dois me continuer ça. MDR, tu vas prendre tes affaires. Tu vas faire. Il y a une meuf, elle commence à me booster, elle me fait des coups de coude comme ça, elle me dit ouais, je suis oppressée, donc tu peux te pousser s'il te plaît. Et genre elle me parle archi mal. Je fais par contre tu vas arrêter de me pousser, je lui dis arrête de me pousser, arrête de me parler mal parce que toi et moi on se connaît pas et t'as pas me parler comme ça. Je veux plus. Les gens ils disent ils sont oppressés alors que j'ai rien fait du tout, j'en ai pas. Ah ouais, tu comprends qu'il a rien fait, il a rien fait. Elle ouvre ses bras d'un coup comme ça, elle ouvre ses bras comme ça. Arminio vient de s'embrouiller. Elle est totalement folle cette meuf. Déjà elle dit qu'il la pousse alors qu'on est tous au milieu de nulle part, je sais même pas pourquoi. Il a même pas poussé, on est juste debout, la meuf elle fait un câble, elle dit oui tu m'as poussé. Et elle lui crie dessus. C'est toi, elle commence à vouloir mettre sa main sur lui. Moi je prends sa main, j'étais sa main comme ça. C'est la vidéo. C'est vraiment drôle. J'adore. Abouillez-vous, battez-vous. Et là il y a une meuf, elle fait quoi? Et les gens qui filmaient autour, et bah il y a une meuf, elle prend son téléphone et commence à filmer un selfie. Moi, enfin elle se filme comme ça.
Et moi, je fais, mais MDR, parce qu'elle a fait, elle m'a regardé, elle m'a fait, bah nous, si on va être filmé. Hein. Elle a commencé à prendre son téléphone et j'ai tapé son téléphone. J'ai dit, mais toi, t'es folle ou quoi? En plus, elle était toute petite, je vais mettre un coco. Hein. On vient de finir Taïki et je suis choquée. J'avoue, c'était grave bien, mais il y a un truc qu'il n'a pas fait, Taïki, m'a bien. Pas comme ça, dodo. Les seules musiques que je connais de toi. Et tu t'es permis de ne pas les chanter. J'étais comme ça, en attendant, pendant tout le concert. J'étais sur Snap, j'attendais, pas comme ça, et t'as pas mis. A few moments later. Franchement, Rami, il nous a fait un guet-apens, hein. On a bien peur. Mais après, je trouve que c'est un peu des acteurs les autres. Maud écrit comme une truie, Arminio écrit, on dirait, il se fait égorger. On est parti dans la forêt. Rami, Rabin et Salim ont voulu nous faire une petite blague. Ah ouais, c'était vachement drôle, ouais. De venir nous poser dans la forêt, d'ouvrir les fenêtres et de mettre une musique qui faisait peur. Supplément, supplément, il reste au milieu de la forêt et il éteint les lumières. Ça fait peur, ok? Ça fait peur. Oh mon dieu, ça m'a fait peur. Oh mon dieu, mais on est où? Je vous jure que ça fait peur. Je vous jure que ça fait peur. Cassez-vous. Fermez la fenêtre. Fermez la fenêtre. Eh, j'ai trop peur. J'ai peur. Le zoo. C'est le zoo, genre, c'est trop là. Merci. Modou, ouais. Eh, Modou. Modou. Eh, Madiba. Mais attends, ça danse en fait là. C'est pas sur la pousse. La pousse du four. Regardez comment ils sont tous là. Eh, coupe la pousse là. Coupe la pousse là. Pas de ralentir. Pizza, ça me tire, c'est mieux de faire plein de pizza. Il y a combien de fours? J'ai pas mangé de pizza. Il y a combien de fours? C'est pour ça que je vous dis. Il y a combien de fours? Mais c'est pour ça que. Il y a combien de fours? Là, on est en train de m'énerver. Il y a combien de fours? On est en train de m'énerver. Il y a combien de fours? Tiens, un four ou deux fours, en fait, on est en communauté, on va tout manger. Exactement. Period. Du coup, là, on est avec les autres dans la même chambre. On va. Pardon. Bref, je disais, là, on, je sais pas, on va faire quoi? Est-ce qu'on va faire un loup-garou, je crois? Un cache-cache. La chambre, la chambre. Il y a plus personne qui vient. Mais non, tu l'as trouvé en fait. Tomorrow for sure. C'est vous le Uber? Oui, c'est moi le Uber. Ok, bah. Ça fera 70 euros. Ah, ok, bah en vrai, comment vous conduisez, j'ai un peu peur. Hein. Je suis pas très sereine. Ah, ok, oui, chef, je vais dans le coffre. Sauf que là, il est vraiment genre 17h et on n'a toujours pas bougé. On est toujours dans la voiture. On est dans la voiture. Tiens, donc là, il passe à 16h30, j'ai raté sa cola. Parce que quoi? Parce qu'il y a des gens, ils sont putain d'égoïstes. Et ouais. Les gars, là, dites-vous que ça fait 2h. 2h. On est en compagnie d'Anissa et de Lina, les coéquipières de la merde, parce que on est toujours dans la merde. On a plus l'air dans la merde. Je te jure. Et en fait, là, le truc, c'est qu'on est sorti il y a 2h et que ben, on n'a pas de parking. Enfin, on n'avait pas de place de parking. Monsieur ne voulait pas nous laisser nous garer. Du coup, on est là, comme des idiots. On a raté Chacola, on a raté Guy de Besbar, on a raté tout le monde. Je suis tchacophile, les gars. Tchacophile. Vous savez ce que ça fait de rater l'homme de sa vie? Je suis trop vénère. Je me suis préparée pour rien. Je suis exténuée, j'ai faim. Ça fait 4 jours qu'on mange que de la pizza. Bref. On est en VIP, VIP,
Devant moi, il y a littéralement Zola, Chacola, la Cacus, Codes, la barrière, tu connais. Genre, s'il n'y a pas Nino et Taiki qui sont en train de twerker, genre, what the fuck. Là, il est actuellement, je sais même pas, peut-être 1h20, 1h30, j'en sais rien. J'ai passé l'une des pires et l'une des meilleures journées du séjour en même temps. Je saurais même pas vous dire, c'est n'importe quoi. C'est littéralement le pire voyage que j'ai fait de toute ma vie. Ça a fini en pleurs, c'était n'importe quoi, mais on s'est trop bien amusé. J'ai raté Chacola, j'ai raté Kid de baseball. Les seuls artistes que je connaissais, Nino, j'écoute pas, PNL, j'écoute pas. Nabs, j'écoute pas, mais j'écoute pas. J'ai tellement le système de mon paradiseur. Demain, il y a Bruna Boy. En tout cas, c'est sûr que je vais pas rater. Donc, c'est déjà ça. C'est pour vous récapituler un peu ma journée. Je vous cache pas que je suis extrêmement fatiguée, extrêmement énervée de toute ma journée. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog. Eh ben, si j'en ai pas après. Toujours le voyage, il se passe pas du tout comme prévu. C'est n'importe quoi. J'ai envie de rentrer. On arrête tout. Early the next morning. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bonjour. C'est le dernier jour du vlog. On n'a même pas pu faire le confessionnal hier. Tant pis. Là, on est vraiment désœuvrés. Mais comme. Mais il s'affiche. T'as pas dit t'as un no face en fait, tu dois pas être dans la cam dans la vidéo. En plus, il est genre 10h. Là, on sait même pas ce qu'on va faire de la journée parce que dans le festival, c'est à partir de. Toute la journée. On va rester au carré vu toute la journée. Vous savez qu'on n'a même pas beaucoup d'heures de sommeil dans le sang. Pour les malveillants, hip hip hip. Ouah!